Bonjour. Alors, laisse-moi te demander si tu t'es déjà fixé ton ou tes objectifs à atteindre le cours de cette année. De cette année, les années à venir, si c'est le cas, alors je te dis félicitations. Ce matin, je viens te dire que je suis prévenu. Que dans l'atteinte de tes objectifs, dans la concrétisation de tes objectifs, tu rencontreras sur ton chemin des ennemis. Mais écoute-moi très bien, peu importe la source de ce découragement, peu importe la source de l'abandon, peu importe la source de cette chute, de cet échec, tu ne dois jamais les laisser te condamner. Au contraire, c'est toi qui dois les condamner et les surmonter. L'échec que tu vois doit être pour toi une source d'inspiration qui va te donner un fort coup de force de détermination. Laisse-moi te dire que ces grands hommes que tu vois aujourd'hui, ces gagnants que tu vois aujourd'hui, sont arrivés à partir de leurs armes, sont arrivés à partir de leur empire. Que tu vois qui sont arrivés? Oui, ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais connu l'échec. Ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais chuté. Mais, au contraire, ce sont des gens qui ont su se relever au moment opportun. Alors, sur ton chemin, si tu rencontres de l'échec, eh bien, tu dois te relever. Si tu chutes, tu dois te relever. Si tu rencontres le découragement, tu dois essayer de lui dire « Arrière de moi, moi, je dois avancer pour aller atteindre mon but, pour aller réaliser mon objectif, pour aller concrétiser mon rêve. »